Bonjour à tous. Vendredi dernier à Cotonou s'est tenue la réunion statutaire du Rotary Club de Cotonou IFE, une assise au cours de laquelle les Rotariens ont été outillés sur le thème « Créons l'espoir dans le monde, quel leadership pour un Rotary impactant en 2023-2024 ». Compte rendu. Tous dévoués aux actions sociales et humanitaires, les membres du Rotary Club de Cotonou IFE ont tenu leur réunion statutaire dans une ambiance conviviale. Et pour la nouvelle présidente, cette réunion est d'une importance capitale en ce sens qu'il s'agit d'une première depuis sa prise de fonction. La réunion statutaire d'aujourd'hui spécialement lance mon mandat. Ça a été mon premier coup de maillet pour le mandat 2023-2024. Et j'ai profité pour présenter mon comité. Riche en communication, cette assise a permis à tous les membres présents d'avoir une idée sur le fonctionnement du club et aussi d'acquérir les notions sur le leadership et les actions à mener pour impacter la communauté. Votre responsabilité en tant que président de club cette année, c'est de pouvoir, au nom et avec le gouverneur du district 9103, que j'appelle pour nous premier gouverneur, donc Charter DG, le thème au Rotary ne change pas la vision du Rotary à travers quatre piliers fondamentaux que sont augmenter notre impact, étendre notre portée, augmenter ou améliorer l'implication des participants et augmenter notre capacité d'adaptation. Ces quatre piliers-là ne vont pas changer parce qu'un thème change. Le Rotary, c'est des personnes qui passent à l'action. Les présidents vont rentrer dans l'histoire. Ce qu'il nous faut comme leadership, c'est ce leadership qui implique les membres dans les trois grands piliers d'initiative de Gordon McInerney. Comme on dit souvent, la paix n'est pas un vain mot. La paix doit être active, pratique et, bien entendu, pragmatique. Ce fut une occasion pour les membres du dit club de présenter le premier prix du club, ayant fait beaucoup plus la promotion du Rotary. La séance très instructive est appréciée par tous et toutes. J'ai apprécié surtout par rapport à la communication du cher président Adonis qui nous a un peu retracé ce qu'est le Rotary. Cette année 2023-2024, que ça soit réellement une bonne année pour tout un chacun de nous et que la camaraderie continue. Qu'on ne reste pas seulement dans notre club, que nous sortons pour réellement une bonne amitié dans le Rotary Club. Dans l'espoir d'impacter le monde, le Rotary Club de Cotonou IFE promet mener d'autres actions dans le futur et tient toujours ses portes ouvertes à toute personne qui souhaite intégrer le creuset. Vous avez n'importe quel diplôme. Ingénieur, vous êtes. Diplômé sans emploi, vous êtes. Vous voulez créer votre entreprise. Vous avez déjà un partenaire, le DBN. Avec cette formation, le DBM peut faire le travail, tenez-vous bien, de 10 personnes, avec comme avantage l'efficacité et l'efficience. DBM, réussir l'instant. Réussir l'instant. DBM, réussir l'instant. DBM, réussir l'instant, instinct leader. Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt!